à la suite de plusieurs informations faisant état de ce que des armes étaient cachées au domicile de M. Guillaume Soro, sise au quartier Gonfreville de Boaké, des perquisitions avaient été effectuées à l'intérieur du dit domicile. Ces perquisitions s'étaient révélées infructueuses. Le vendredi 25 février 2022, exploitant une autre information, des officiers de police judiciaire se sont transportés à nouveau au dit domicile avec des détecteurs de métaux qui ont permis de localiser de façon précise l'endroit où des armes étaient enfouies dans l'arrière-cour. Cette perquisition, menée sous la supervision du procureur de la République et en présence constante du nommé Koulibaly Yaya, gardien des lieux, a permis de découvrir 4 canons de 14,7 mm, 6 percuteurs, 15 200 munitions de type 9 mm, 3 cache-flammes, 10 accumulateurs, 36 chargeurs de portatifs Motorola GP340, 14 portatifs Motorola GP340. Une enquête a été immédiatement ouverte à la brigade de gendarmerie, section recherche de Boaké, pour détention, entreposage d'armes de guerre, éléments d'armes et munitions de la première et deuxième catégorie sans autorisation administrative et tentative d'atteinte à l'autorité de l'État.